Oui. La fenêtre des chambres, c'est celle qui va me permettre de se déplacer sur moi et moi de réagir. Donc, on appelle la distance spatio-temporelle. Un espace et un temps. D'accord ? Et la taxe qui ? Devant. Voilà. Après, je n'ai pas bougé. Je suis, on est dans un logiciel discordant. Donc, moi, je n'ai pas vu arriver. Je réagis. Je suis dans une distance et dans un temps. En harmonie, donc je casse la première pluie. Ah, là, j'ai réagi. Donc on est dans un aussi discordant. On est dans le continuité. Je bouge toujours par rapport à lui, toujours par rapport aux mêmes axes. Et je sors. Et puis donc là, après mes blocages, j'ai plusieurs objectifs sur un blocage. Bloquer, dévier la technique, bloquer pour déstabiliser, bloquer pour casser, ainsi de suite. Donc votre blocage, il a après plusieurs fonctions différentes. Donc tu choisis le temps, tu choisis la distance, tu choisis la vitesse. Voilà, on choisit la vitesse, il attaque pareil. Quand je choisis, là je suis maintenant dans un temps totalement différent, où j'essaie d'amener la rupture d'entrée. D'entrée, c'est moi qui décide que lui passe par la porte. Vous ne l'avez pas invité, il passe par la porte. Un invité, vous le recevez à la porte, vous l'amenez à table, vous ouvrez la bière, etc. Si on n'invite pas, on le bloque à l'entrée. Et là, c'est là où arrive la notion de scène, à partir du moment où c'est que l'intention. Le gars arrive avec une arme, vous le plombez. On découvre qu'il a eu une arme dans les mains, vous êtes en scène, vous n'êtes pas en scène, parce qu'il n'a pas encore eu le temps de déployer son arme. Le scène, l'intention se dessine déjà. Le scène, il n'y a que l'intention. Mais il n'y a pas encore eu l'effet. D'accord ? Lui, il est devant moi, comme ça. Sur scène ou scène. D'accord ? Il y a l'intention est déjà manifeste, ça se dessine. Alors, scène. Ouais. Mais lui, s'il est annoncé comme Tori, et que lui, son intention, donc si tu veux, les intentions sont bien définies, je peux travailler mon scène. Là, tu laisses pas. Parce que lui, on lui a donné une arme, une mission. C'est de me toucher. Et moi, je le touche avant. On est en scène, comme ça s'est passé là, lui, développé, il n'a pas encore développé. Ça peut être tout au début, ça peut être à la fin. Après, on est en DI. Pour lui, il travaille bien coup, boum. Ah, rentre, allez, hop. Ah, il rentre et son bien coup. Moi, je pose ma main en même temps. Allez, donc, je rentre, là, on est en DI. On est même légèrement en scène, parce que je suis arrivé même avant lui. Tu pars après lui, tu arrives avant lui. Oui, c'est donc la suite du jeu en scène. Et c'est pour ça que souvent, maintenant avec l'arbitrage, ils ont essayé de débloquer ça. Je parle de l'arbitrage, on n'est pas dans le match. Ils ont débloqué ça. Il y a des arbitres qui vont donner à droite, et d'autres qui vont donner à gauche. D'accord ? Mais à l'époque, on voyait quand même qui c'est qui a mis le plus le corps. Hein ? S'il y en a un qui met le gâteau et qui recule en même temps, moi j'aurais gagné mon point là. Bah oui. D'accord ? Là, c'est ce qu'on appelle le DI. Donc on arrive à peu près au même moment, mais qui c'est qui est légèrement en avance et qui c'est qui a le plus d'engagement ? D'accord ? Et quand vous êtes dans cette notion de hypocomité, qui n'est pas simple non plus, parce qu'il y a beaucoup plus d'échecs là aux examens de grade, je vous le dis quand même. Que les gens prennent ça à la légère. Ils travaillent en général, les hypocomités, une semaine avant l'examen. Une semaine avant l'examen, ils commencent à s'inquiéter. Ils se disent, ben tiens, on ne fait peut-être pas assez de travail, etc. Puis on commence à les mettre par deux à travailler. Alors là, pour aller travailler après toutes ces notions-là, de faire les intégrer en une semaine, le prof se dit, oh, ben, ils vont y aller, peut-être qu'ils vont gagner des points en kata, ils vont gagner. Par là. C'est la loterie. Voilà. Et peut-être qu'ils vont être. Après, vous rentrez dans l'idée des blocages. C'est ce que je dis au départ. Bloquer contre-attaquer.
Après, l'idée de compétition, ce que je vous disais, quand lui il travaille diapo, moi je suis ici, lui travaille diapo, moi je travaille comme ça. Là, c'est la compétition. Je n'en bloque plus. Pour essayer de rechercher le gain du temps. Le blocage étant crispant, les jeunes ne travaillent plus. Et nous, le problème, c'est que nous, on doit bloquer tout en n'étant pas crispé. Ça, c'est du travail régressionnel. Et qu'il faut enlever complètement le travail des compétences.